perdus sur une île à la recherche de la vérité. Ils ne sont pas seuls et devront survivre. Nisoka Productions présente le premier film tourné sur Minecraft. Action et suspense. Une aventure inédite. Craft for Life. Merci mon pote. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Oh, j'en sais rien. Reposons-nous un peu. Toi. Quoi? Regarde par là. Oh, il faut qu'on l'attrape. Ça nous fera à manger. Il s'enfuit! Attrapons-le! Je vais la voir! Je vais la voir! Arrête-toi! On va se perdre là-dedans! J'y suis presque! Attends! Barlai! Hé! C'est quoi ça? Barline, je crois que j'ai... C'est pas vrai. Barline, qu'est-ce que c'est ça? Lizo, t'es où? Je suis là. Lizo, attends, j'arrive. T'es où? Je ne te trouve pas. Je suis là. Le cochon, je l'ai perdu. C'est pas grave. Viens voir ce que j'ai trouvé. Bah t'as trouvé quoi? Viens, c'est par là. Waouh. Mais c'était pas là, ça. Oh. Regarde. On est sûrement pas seul ici. Où est-ce qu'on est tombé, hein? Alors ça, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Des pommes en or. En or? Voyons voir de plus près. Ah, oh mon Dieu, non! Qu'est-ce qui se passe? Non! Attends, mais... Non mais... Qu'est-ce qui se passe? On est bloqué? Ah ouais? Hey, Nizo. Faudra bien qu'on trouve un moyen de sortir de là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse entre ces quatre murs? On n'a plus qu'à crever non ici. Non! Il doit sûrement avoir une sortie secrète! Je vais pas me crever à la tâche, hein.
Oh, si seulement... Oh, regarde, au-dessus. Et comment tu veux qu'on atteigne ça? Je vais t'aider à monter, mais tu fais attention. Ok, pose ta pomme dans le coin, faudrait pas les abîmer. Ouais. Bon allez, attention, t'es prêt? Quand tu veux. C'est bon, je suis. Hey, y'a un levier là-haut. Un levier? Ouais, je fais quoi? Je le tire? Ouais, vas-y. Ok, regarde si tu vois quelque chose. Ouais, ça a bougé. Ouais. Ça a ouvert le mur. Excellent, j'arrive. Fais gaffe en descendant. Allez, tirons-nous d'ici. Attends, on oublie les pommes. Ah oui. Attends, je les prends. Passe-moi la mienne. Tiens. Allez. Allez, on se casse. Ouais. Ouah, regarde, on voit la lumière du jour. Ah ouais, ça y est, on est sorti. Allez, vite. Attention. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Nous ont vu. Cours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Contact. Attends. Merde. Allez. Nizo, t'es où? Je suis là, je suis au-dessus. Ils arrivent, ils vont bouffer, non? Tiens bon, monte au rocher. Ils sont tombés. Oh non, 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 non. Je vais essayer de trouver une solution. Dépêche-toi, je vais pas tenir longtemps. Non, c'est pas vrai. Nizo, ça va aller. Essaye de sauter par-dessus ce bassin. Il me suit. J'ai une idée. Essaye d'attraper les lianes. Lisa! Ça va? Ouais. On retourne plus jamais là-dedans. Plus jamais. On a une sortie derrière. Ouais. Allons-y. Il faut encore grimper. Bon, j'y vais. Ouais, vas-y. Ça va? Ouais, ça peut aller. Vas-y, c'est bon. Oh, c'est dur. Ça y est, on y est. J'en peux plus. Enfin dehors. Plus jamais on retourne là-dedans. Ah non. Ah, plus jamais. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'en sais rien du tout. On en fait quoi de ces pommes? J'en sais rien. On va les mettre en sécurité. On va les cacher quelque part. Oui, mais où? Par là, il y a un arbre. On s'en souviendra. Ok, vas-y, on y va. Tiens, bah, creuse un trou. Tiens, prends ma pomme. Voilà, c'est parfait. Ça va, si tu... Oui, c'est bon. Pas repéré. Oh. Vas-y, rebouche. Ok. C'est bon. Chut, j'ai entendu quelque chose. Hein? Quoi? Je sais pas. Mais t'as vu ça? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ce bruit. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de quitter cet endroit. Je vais faire une marque sur cet arbre. On pourra le repérer pour plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est bon. Eh, vu qu'on sait pas pour combien de temps on est ici, on devrait retourner au bateau voir ce qu'on peut trouver d'utile. Ouais, bonne idée. C'est bien par là, hein? Ouais, on y est presque. Ça y est, le voilà. Bon, par quoi on commence? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est ramasser les planches par terre. Ok, c'est parti. Et maintenant, on en fait quoi? On a qu'à les déposer tout ça derrière.
C'est bien ici pour se faire un abri. Ah ouais, c'est pas mal. Allez, on continue. C'est quoi ça? Hé, hey, Nizo! Ouais? J'ai trouvé une boussole, je crois. Une boussole? Ouais, regarde. Wow. Elle devait sûrement être sur le bateau. Sûrement, je vais la chercher. Ça pourrait nous servir. Mais... ça va? Hé, hey, Varline, ça va? Ouais, ça va. Ça va, ouais. Bon, ce serait bien qu'on ait de quoi dormir cette nuit. Oui. Et pour ça, on a encore pas mal de boulot devant nous, là. Ouais. On va essayer de mieux s'organiser. Ok. J'ai qu'à rester là et je vais commencer à construire quelque chose. Ok, bah je te ramène tout ce que je peux trouver. Ok, d'accord. Tiens, en voilà un peu plus. Ouais. Merci. Bien voir quelque chose là-bas. Ah oh ouais, le coffre est intact. C'est un sacré coup de chance. Voyons voir. Ah oh, génial. Une canne à pêche. Hé, hey, Varline. Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé dans la cale. C'est quoi? La canne à pêche. Ah, génial! Ça va être utile. Ouais. Attends. Tu penses que la voile, ça ferait un bon toit? Ah ouais, ce serait super. Je te ramène ça. Cool. Varline, les pommes, je devrais peut-être les ramener ici, tu crois pas? Fais ce que tu veux. Oh bah écoute, j'y vais. Je reviens tout de suite. C'est ça, c'est par là. La grotte, c'est par ici. Je dois plus être très loin. Ah, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça? Où sont passées les pommes? Hein? Qu'est-ce que... Il est toujours pas revenu. Nizo ! Nizo ! Nizo ! Nizo ! Mais qu'est-ce que... du sang ! Nizo ! Par là, oh,
Varlaine, ça va? Aidez-moi. Mais qui êtes-vous? Vous voulez savoir qui je suis? Vous voulez savoir? Vous avez rien fait. Mais vous savez très bien qui je suis! Non, je vous l'ai déjà dit, on sait pas qui vous êtes. On vous connaît pas, nous. Ah ouais, toujours comme ça, toujours comme ça, hein. Démon! Oh non, c'est pas possible. C'est qui celle-là? Elle m'a dit s'appeler Adélaïde. Adéla quoi? Adélaïde! Ah. Tenez, oh. On l'occupera. Ah. Varlaine, réveille-toi. Quoi? J'ai fait un rêve étrange. Qu'est-ce que t'as vu? Je me suis vu sur un bateau. Sur un bateau? Au milieu de... Ouais. De je sais pas où. Ah bon? C'est flou. Ouais, ça doit être la fatigue. Faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Oui. La trappe. Ah ouais? Grimpe sur mon dos et... Essaye de l'ouvrir. Ok, je vais essayer. Attention! Oh non, y'a rien à faire. Oh non. Elle s'ouvre pas. Bon. Elle t'a dit quelque chose? Rien du tout, elle est complètement folle. Oh. Elle nous prend pour des démons, elle a dit qu'elle s'appelait Adélaïde. Là, je vois franchement pas comment on va pouvoir s'en sortir. Ouais, il faudra bien trouver une solution. Regarde, la prochaine fois qu'elle revient, on la somme. Mais ça va pas, non? On n'a pas vraiment de meilleure solution. Oh non! Mais c'était quoi, ça? Hé! Hé! Aidez-nous! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Aidez-nous. Oh non, non. Les démons! Vous les avez fait revenir! Non. Vous les avez fait revenir! Vous les avez fait revenir! Qu'est-ce que c'était? Oh mon dieu! J'en sais rien, mais faut qu'on se tire de là en vitesse! Oui, vite! Elle a fait tomber la clé! Ouvre la porte! Dépêche-toi! Ouais. C'est bon! C'est bon! Pense, bordel! Rentre à l'intérieur, je m'occupe d'elle! Ah! Oh. Ça peut être des raisons de crier dessus. Oui, attends. Ça va? Ouais, ça va. Hé, mais c'est à moi, ça. Hé. Hé, hey, Nizo, viens voir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une carte. Une carte? Ouais, ouais, regarde, on est sur une île. Oh, regarde, ouais. C'est notre bateau. Et là, c'est l'arbre où on a enterré les pommes. Ah ouais? Et là, on est ici en ce moment. Elle nous surveille depuis longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais c'est qui cette folle? Attention, elle a repris connaissance. Oh non, vite, on se tire d'ici. Ouais, je prends la carte. On dirait que ça s'est calmé dehors. Ouais, allons-y. Désolé. Dépêche-toi, Nizo. Nous allons voir où cette carte nous amène. Ouais. Mais attends une seconde. Regarde. On est censé contourner cette zone. Ah ouais, pourtant ça a l'air tout à fait normal. Et puis c'est qu'une carte après tout. Ouais, t'as raison. Allons-y. Ça va? Oui, oui, c'est bon. Tiens, qu'est-ce que c'est? Tiens, mais... C'est bizarre. Ça continue par là. Eh, Nizo, je le sens pas cet endroit. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait, hein? Regarde, Nizo, l'herbe. Quoi?
On dirait qu'elle respire. Ouais. Oh, mais... Oh, ça sent mauvais ici. C'est quoi cette odeur? Oh, c'est une horreur. Allez, on y va. Oh, mais t'es sûr que c'est par là qu'il faut aller? Bah écoute, c'est ce qui est indiqué sur la carte. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh mon dieu! Vite, plante-toi! Non, oh, moi dieu. Je cours! Ah, tu m'as fait peur, tu m'en fais plus jamais ça, hein. Eh, hey, regarde-moi. Qu'est-ce que... qu'est-ce que t'arrive, là? T'es dingue ou quoi? Mais... Qui êtes-vous? Non, mais Niso, tu te fous de moi, là? Où est Varline? C'est qui, Varline? Vous foutez pas de moi. Mais vous êtes qui, d'abord? Niso, tu... Mais vous êtes qui? Mais c'est moi, Tyrone! Je vous connais pas. Niso, tu peux me tutoyer, tu sais? Dis-moi où est Varline. Mais je sais pas qui c'est, Varline! C'est quoi ces fringues? Où sont mes vêtements? Bah, c'est ça tes vêtements, t'en as pas d'autres. Si, j'en ai d'autres! J'étais pas habillé comme bah, ça! Non, c'est pas possible. Comment est-ce que t'es arrivé ici? Tu te souviens de rien ou quoi? On est arrivé ensemble en bateau. Il est où le bateau? Ça sert à rien, Niso. Le non, bateau, non, il non. est échoué. Dis-moi où il est! Il est par là-bas! Bon, écoute, Niso, calme-toi un peu. Je sais pas ce qui t'arrive. Non, mais, non, mais et toi. Pourquoi je te ferai confiance? Je dois retrouver Varline. Bah attends, Niso, il fait nuit et il pleut. J'ai pas besoin de toi. Niso, attends-moi. Très sérieusement, Niso, faudrait que tu m'expliques ce qui se passe dans ta tête. Tu m'écoutes quand je te parle? Niso! Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je t'attends. J'ai entendu un bruit. Oust! Mais va-t'en! Tu fais plus malin, hein? Vas-y, va-t'en! Niso! À terre! Mais qu'est-ce qui te prend? Chut, fais pas de bruit. Reste planqué. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Regarde devant toi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que t'as trouvé ça? Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider. Crois-moi, t'aimerais pas connaître la personne qui habite là-dedans. Comment tu peux le savoir? Reste ici, j'y vais. Non, c'est hors de question, je viens avec toi. Reste ici. Moi, elle me connaît. Comment ça, elle? Depuis quand tu connais des gens ici? Qu'est-ce que tu me dis pas, Niso? Chut! Attends-moi! C'est pas normal. C'était pas comme ça. De quoi c'était pas comme ça? Tu connais cet endroit? Ouais, y a pas si longtemps j'y étais. De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est là-bas? Niso, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Maccabées là-dedans. Oh mon dieu. Ils sont là depuis un moment, eux. Tu peux m'expliquer maintenant? Tu pourrais pas comprendre. Il faut pas traîner ici. J'ai pas ça, Niso. Tu pourrais m'attendre, s'il te plaît. Il y a quelque chose de pas normal. On dirait qu'il y a quelqu'un qui habitait là-dedans. Est-ce que ça pourrait bien être? On pourrait rester un peu, tu crois pas? Hein? Par ici, non. Niso, tu m'écoutes quand je te parle? Par ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est une carte. Oh, oui, c'est bien ça, c'est une carte. Attends, on pourrait rester un peu. Comment t'as su qu'il y avait une carte ici? Comment t'as su? Faut que tu m'expliques. Je le savais. Niso, je pourrais t'expliquer n'importe quoi, tu comprendrais rien.
Tu pourrais essayer au moins. Bon, ok, mais je t'aurais prévenu que t'allais rien comprendre. Ouais, allez, vas-y. Bon, je suis arrivé sur cette île avec Varline. En bateau, on s'est échoué. Ensuite, on a été pris au piège dans une pièce, on a trouvé 2 pommes d'or. Les pommes d'or ont été volées, je me suis fait assommer et capturer par une espèce de folle. Mmh. Avec Varline, on s'est fait enfermer dans la cage que t'as vue tout à l'heure. Ensuite, on s'est évadé parce qu'on s'est fait attaquer par un espèce de monstre bizarre. On a trouvé une carte à l'intérieur, au même endroit où j'ai trouvé celle-ci d'ailleurs. Je me demande même si c'est pas la même, tu vois. Ouais. On a suivi cette carte et on est rentré dans cette zone-là, interdite. On s'est fait attaquer et je me suis retrouvé à côté de toi. Et si ça peut te rassurer, moi aussi j'ai du mal avec tout ça. Ah ouais, tu vois, je pouvais comprendre. Non, sérieux, t'as compris quelque chose? Parce que là, il faut que tu... Mais non, j'ai rien compris. Ouais. Franchement, Niso, tu devrais faire attention à ce que tu manges. Eh, hey, fous-toi de moi. Eh, hey, Niso, c'est bon, je rigole. Et tu pourrais écrire un livre aussi. Oui, mais moi j'avance, c'est pas en discutant avec toi que je vais trouver mes Niso, réponses. Attends-moi. Oh mon dieu, t'as vu ça? Il y a quelqu'un là! Viens voir! Monsieur, réveillez-vous! Niso, il devrait décrocher un peu de cette carte. Niso! Ah. Eh, ça fait 5 minutes que je te parle là! Eh, je viens d'avoir une vision. Quoi? Je me suis vu avec toi, il y avait Varline. Hein? On aurait dit un souvenir qui n'était pas le mien. Pourtant, j'y étais. Ça avait l'air tellement réel. Vas-y, raconte. On a sauté d'un bateau, on était dans l'eau et. Et on a nagé jusqu'au bord. Et là, il y avait Varline sur la plage. Ouais, Varline, c'est pas un mec brun. Comment tu le sais? Tu le connais? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Qu'est-ce que Arrête, tu caches? Ce gars-là, c'est lui qu'on a trouvé sur la plage. Je savais pas que tu le connaissais. T'avais pas l'air de le connaître aussi. Ça veut dire que ça s'est vraiment passé, tout ça? Bah, bien sûr que ça s'est passé. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Il faut y retourner. Non, Niso, c'est complètement à l'opposé. Ça fait 2 jours qu'on marche pour suivre ta stupide carte. Et toi, tu veux retourner en arrière? Mais Varline est là-bas. Non, Niso. Je l'ai vu. On l'a enterré. Quoi? Oui, il est mort. Mais... Si, Niso, il est mort. Il est mort dans l'accident. C'est pas possible. Mais je savais pas que tu le connaissais, ce mec. Niso, je vois bien que ça va pas. Je vais t'aider et on va trouver les réponses. Hein. J'ai l'impression d'être venu d'un autre monde. J'y comprends plus rien. C'est comme si j'étais rentré dans la vie d'un autre moi. Non, c'est pas possible. T'en sais rien, c'est possible ou non. Bon, calme-toi. On va suivre cette carte et on va voir où elle nous amène. Ouais. Allez, ça doit plus être très loin. On doit être à côté. Bon, attends, j'éteins le feu, ok? Ouais. Bon, allez, go. Et t'as pas intérêt à nous prendre. Non, ça doit être juste là. Ouais, maintenant. T'es sûr? Ouais. C'est par là. Ça me dit rien. Ah bon? Faudrait prendre de la hauteur. Tiens, faudrait monter là-haut. Ah non, tu monteras tout seul, hein. Allez, go. Niso, attends-moi. Tiens-moi. Fais gaffe, hein! C'est solide, ça! Oui, je vois.
Oh la vache. Ok, ça doit être par là. Hey, tabarnak, que ça fait haut, hein. Allez, fais pas le coup. Waouh, fais gaffe. C'est vrai que ça fait haut. Waouh. Dépêche-toi! Mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Varline! C'était quoi ça? Varline! Oh, mais c'est sa boussole! Tyron, nous allons voir où cette carte nous amène. Regarde, on est censé contourner cette zone. Ah ouais, pourtant ça a l'air tout à fait normal. Et puis c'est qu'une carte après tout. Ouais, t'as raison. Allons-y. Ça va ? Oui, c'est bon. Mais comment c'est possible ça ? Tiens, qu'est-ce que c'est ? Tiens, c'est bizarre. Ça continue par là. Niso, je le sens pas cet endroit. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ? Regarde, Niso, l'air. Par là. Ouais. On dirait qu'elle respire. Oh, mais. Oh, ça sent mauvais ici. C'est quoi cette odeur? Oh, c'est une horreur. Allez, on y va. Oh, mais t'es sûr que c'est par là qu'il faut aller? Bah écoute, c'est ce qui est indiqué sur la carte. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh mon dieu, pas ça! Plante-toi! Non! Oh, moi dieu. Je cours! Non, non! Varline, je suis là. Tiens bon. Par ici. Niso. Varline. Oh non, il peut pas me voir. Oh non, Niso. Oh mon dieu. C'est quoi ça? C'est la boussole de Varline. La boussole de Varline? T'as trouvé ça où? Ramasse-la. Non mais je suis pas ton chien. Déjà que je me suis fait mal, tu m'as laissé en plan. Mais ramasse-la, je te dis, tu verras. De quoi? Tu pourras tout voir, tu verras Varline, tu verras. Bah ouais, vas-y. D'accord, si tu veux, si ça te fait plaisir. Alors tu vois? Ah, ça fait bizarre. Alors je... Tu le vois? Je vois. Tu vois quoi? Dis-moi, dis-moi. Je vois. Ah, quoi? Je vois rien du tout en fait. J'ai beau essayer, je vois vraiment rien. Rends-moi ça. Non, Niso, peut-être que sur moi, ça fait rien de me shooter à la boussole. Mais sur toi, ça crée effet. Tu me crois pas? Bah pour l'instant, j'ai du mal. Mais je te jure, j'ai vu Varline, je me suis vu, j'y étais. Tu sais, Niso, il va bientôt faire nuit, on ferait mieux de continuer. Mais oui, allez, il va faire nuit, ça peut pas être pire. Mais calme-toi un peu. Mais tu verras quand il t'arrivera des trucs comme ça, ça va te faire ouais, tout ouais. J'espère que tout ce que tu dis est faux, parce que sinon, ça fait peur. Ouais, bah si toi t'as peur, qu'est-ce que j'ai, moi? Bah, t'as très peur. Niso. Hé, hey, Niso. Bon. Hey, c'est bon là, Niso. Oui, t'es pas obligé de me crier dessus, hein, je t'entends. Ouais, mais tu réponds pas aussi. C'est bon, je suis en train de réfléchir. Tu réfléchis à comment est-ce qu'on va rentrer au campement? Parce que si c'est le cas, je crois que tu nous as bien paumé avec ton parcours de santé. Non, non, on n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Non, t'as raison, ça nous fait voir du pays. Après tout, qu'est-ce qu'on s'emmerde sur cette île? Ouais, ouais, n'empêche que, hein. Regarde, il y a un point sur la carte où on n'est pas allé. Oh oui, un point. Juste là. Regarde. Il y aura toujours un point. C'est juste à côté. Bah oui, j'avais bien vu ça. J'espère que tu sais ce que tu fais, Niso. Moi aussi. Bah, oh, tu pars tout de suite? Eh, pourquoi pas, regarde, la pluie s'est arrêtée. Et alors, on peut attendre demain? Non, c'est juste à côté. Mais si tu veux, tu restes là, j'y vais tout seul. Ouais, ben non, c'est bon, là. Eh ben, tu vois, quand tu veux, tu peux. Oui, ben... Allez. Attends. Quoi, tu t'arrêtes déjà? Je... Si c'est bon. Ouais. C'est par là, c'est bon. J'espère, oui. Oh, regarde. Mais c'est géant. Un arbre. Ouais, et pas n'importe quel arbre. C'est pas naturel, ce truc-là. Ou alors, on est sur une autre planète. Eh,
Qu'est-ce que c'est là-haut? On dirait un fruit. Ouais, j'en ai bien l'impression. Je vais monter chercher, ça nous fera à bouffer. Fais gaffe. Hein. Ouais, t'inquiète. Hé, hey, te pète pas l'autre jambe. T'es con. Bah fais gaffe quand même. Ça. Oh. Tyrone reste dans l'arbre. C'est quoi ce truc? Il me fixe. Lisa. Fais gaffe, il te regarde. Non. Attention. Non, c'est pas moi, j'ai encore rien fait. Tyrone, cours. Pitié. Cours. Lisa, où est-ce toi? Ouais. Continue de courir. Il doit y avoir un moyen. Tiens bon! Non! Tiens! Je viens de comprendre! C'est son territoire! Sans blague! Oh non, non! Lisa! Tyrone! Les fleurs! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les fleurs! C'est pas le moment de faire un bouquet de fleurs! Tyrone! Non! Hé! Hey, gros tas! Regarde ce que j'ai ramassé! Je vais la bouffer! Viens! Prends ça! Jeu de main! Jeu de vilain! Et voilà, ça y est. Merci, t'es un héros toi. Mais ouais, attends. Allez, on continue. Ouais. Tu m'as vu quand j'ai sauté dessus. Chut, t'en bouge plus. Regarde, c'est la meilleure chose qu'on ait pu trouver. Ouais, l'iso. Ouais. La lumière à l'intérieur. Y'a sûrement quelqu'un. Viens, on y va. T'es sûr? Allez. Vas-y doucement. Ouais, je peux pas faire mieux. Chut. C'est quoi ça? Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi ce bazar? On va pas tarder à le savoir. Attends, Niso. Non. T'es fou, Niso. Ouais, t'as raison. La prochaine fois, je taperai avec le pied. Ça bouge là, ouais. Attention. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Adélaïde? Adéla quoi? Adélaïde! Voilà, tenez, c'est prêt. Merci. Merci. Alors comme ça, vous êtes arrivés en bateau. Oui, c'est ça. Mais où sont-ils, les autres? Ils sont tous morts. Non, ils sont pas tous morts, Varlaine est vivant. Faites pas attention à lui, il pète un câble. Non, je sais de quoi je parle. Ferme-la. Et toi aussi, je vous ai pas demandé de crier. Ouais, ça sert à rien de crier, Niso. Et toi là, comment tu connais mon nom? Ah bah ça... je le connais, c'est il tout. Il le connaît, ouais, on sait pas comment. Ah oui, je vois. Vous avez dû rencontrer Bob en chemin. Bob? C'est qui, Bob? Niso. Bob, c'est mon ami. À quoi il ressemble? Il est grand et fort. Il est gentil comme tout. Et il adore les fleurs. Les fleurs? Regardez, c'est son portrait. Et c'est moi qui l'ai dessiné. Ah bon? Avec de la terre et du sang. Moi, ça me dit rien. Non, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu du tout. Enfin, le jour où je l'ai rencontré, il tenait ça entre ses mains. Attendez. Niso. C'était lui, Bob. Oui, je sais. On lui a défoncé son ami. Voilà, regardez. Wouah! Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un parchemin! Oui, mais ça représente quoi? Un étrange symbole. Mm-hmm. Bob, il aime pas ce symbole. Un jour, je l'ai dessiné sur le mur de la pièce, et Bob, il l'a tout détruit. Et il veut dire quoi, ce symbole? Bah, il ouvre le chemin. Quel chemin? Regardez. C'est écrit... Vous arrivez à lire ça? Non! Et de toute façon, Bob n'aime pas ça. Et si Bob n'aime pas, nous n'avons plus besoin d'en discuter. Allez hop! Mais... Attendez! Et si vous êtes ici pour que je réponde à vos questions, c'est même pas la peine de rester. Oh, il se fait tard. Vous n'allez tout de même pas retourner dehors. Restez dormir, j'ai de quoi vous installer. Attendez, ne bougez pas! Niso, faudra m'expliquer. C'est quoi son problème à elle? Je sais pas mieux que toi. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'elle...
Elle a pas tellement changé. Mais comment tu la connais? Comment tu connais son nom? Je t'ai déjà expliqué, Tyrone. Non, tu m'as pas expliqué, tu as déliré. Ah, si tu veux, eh ben je délire toujours alors. Mais Nizo! Ça y est, c'est installé. Allez-y, c'est en bas. Merci. Merci, Adela... Adélaïde! Bonne nuit. Et vous, vous ne dormez pas? Moi? Non. Ça fait longtemps que je dors plus. D'accord. Bon, bah, bonne nuit. Et faites pas de bruit! J'ai le sommeil léger! Nizo, un lit comme ça! J'en rêvais! Ouais, c'est pas le grand luxe. Ouais, bah attends. Ouais, bon, c'est mieux que rien. Tu préfères dormir dans la boue avec des limaces gluantes dans tes cheveux? Tout compte fait, non. Ah, bah tu vois. Bon, allez. Moi je te dis à demain. Bouah. Ouais. À demain, Tyrone. Mais de quoi je vais pouvoir rêver maintenant? Hein? Comment ça? Bah, avant je rêvais du lit. Mais maintenant je l'ai le lit, alors je vais rêver de quoi maintenant? T'as qu'à rêver d'une jolie fille qui sort de la jungle pendant que tu bronzes sur une plage. Ah ouais! Bonne nuit! À toi aussi. Hé! Hey, quoi? Garde-moi un morceau, tu veux? Non, laisse-moi, je me concentre! Ouais, allez, à demain. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas mon bisou? Si, j'en veux. Qu'est-ce que tu as? Mon petit chou. Oh non, mon rêve. Fais chier, elle était trop belle. Qu'est-ce que c'est? Pardon, Nizo. Qu'est-ce que t'as? Rendors-toi. J'arrive pas à dormir. Bah, il se passe quoi là-haut? Ah, bordel! Ça tiendra pas, ce truc-là. Oh. Ah, tiens, t'es debout? Regarde, Bob, ton nouvel ami. Dis bonjour. Ah non, ça c'est pas bien. Tu as vu ça? On dirait qu'il t'aime bien. Non, j'en suis pas sûr. Bon, bah moi j'ai du travail. Attendez. Quoi? Vous allez où? Je vais dans mon jardin. Et je peux venir avec vous? Comme tu veux. Eh, ça fait longtemps que vous êtes là? Vous êtes arrivé comment? Vous êtes arrivé en bateau? Comme nous? Hein? C'est quoi ça là-bas? Hein? Hey, pourquoi vous me répondez pas? C'est quoi? Hey, attendez-moi! Hey, vous savez, depuis qu'on est arrivé, Nizo, il était normal. Mais maintenant, il est complètement maboule, il perd la tête. Il dit qu'il vient d'un autre monde. Et qu'il a l'impression d'être un autre Nizo. Hey. Ça me fait peur en plus, moi. Et il dit qu'il est venu avec un autre mec, une autre personne que moi. Mais ça va pas dans sa tête. Mais vous en pensez quoi, vous, hein? Soum, Anumada, Idili. D'accord, je vous laisse tranquille, hein. Hé, hey, coucou, ça va? Nizo, réveille-toi. Faut qu'on se tire d'ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Tyrone? Crois-moi, faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est complètement folle, je l'ai vue. Elle est complètement possédée. Quoi? Possédée? Crois-moi, faut qu'on se barre. Attends. Attention, la tempête est là-bas. Où? J'ai cru voir quelque chose tout à l'heure. Suis-moi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je le savais. Je
je m'en doutais. Mais c'est des barques. Ah, tu vois, elle avait de quoi s'en aller, elle. Je comprends plus rien. Allez, Nizo, on se barre. Non, Tyrone, t'oublies Varline. Arrête avec ton délire, Nizo. Non, c'est... Monte dans cette barque, il rosture. C'est pas un délire. Je te jure, si on trouve de l'aide, on revient le chercher. Bah ouais, si tu veux. Mais en attendant, on fout le camp. Mais comment tu peux savoir où on va? J'en sais rien. Du moment qu'on quitte cet endroit, c'est le principal. Ça me rassure pas vraiment. Il faut y croire. On va rentrer chez nous. T'as vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On devrait faire demi-tour. Non, Nizo, il faut continuer. Mais regarde, Tyrone, c'est trop dangereux. Continue, fais-moi confiance. Tyrone, j'ai plus le contrôle. Je pars à la dérive. Viens voir, Nizo. Lutte contre le courant. Faut pas abandonner. On va y arriver. Nizo, t'as vu ça? Non. Tyrone, qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'ai fait un mauvais rêve. Excuse-moi, Nizo. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir. Sinon, c'est pas perdu, on met ça dans la casserole et le reste, on le mangera en entrée. Tu m'écoutes, Bob, quand je te parle? Si tu n'écoutes pas, tu ne sauras jamais. Oh non! Ça, c'est pas bien! Waouh, t'as vu ça? On dirait qu'il t'aime bien. On dirait qu'il t'aime bien. Non, j'en suis pas sûr. Je crois bon, pas. Moi, j'ai du boulot. Attendez, vous allez où? Vous allez où? Je vais dans mon jardin. Je vais dans mon jardin. Est-ce que je peux venir avec vous? Comme tu veux. Merci. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir une impression de... Eh, attendez-moi. Vous savez, cette nuit, j'ai fait un rêve assez étrange. J'ai l'impression de revivre le même moment. C'est un rêve prémonitoire, vous pensez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vous demande ça parce que je... Anoum, Ada, Fideli. Eh, ok, je vais vous laisser. Ouais, laisse-moi bosser. Le travail, c'est la santé. Nizo, réveille-toi. Hein? Réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Tyrone? Il faut quitter cet endroit. Quoi? Je t'expliquerai un chemin, suis-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, Tyrone. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Écoute, j'ai fait un rêve cette nuit et là, il se passe exactement la même chose. Et on peut s'en aller, Nizo. J'ai vu des bateaux. Non, attends, dis-moi ce qui se passe. Il y a la baraque qui est défoncée et toi, tu me parles de ton rêve. Fais-moi confiance, on peut partir. Sauf que... Quoi? Sauf que quoi, Tyrone? Sauf que rien, allez, suis-moi. Non, mais je rêve, ça te prend comme ça, toi. Mais attends, Nizo, regarde. Non. Tu vois? Mais comment t'as su? Je te l'ai dit, tout est comme dans mon rêve. C'est dingue. C'est pareil, on a juste à monter dedans et on se tire. Et Varline? Tu m'as dit exactement la même chose. On reviendra chercher après. Il y a plutôt intérêt, Tyrone. T'inquiète pas, fais-moi confiance. On va se tirer de cet endroit. Ouais, mais promets-moi qu'on reviendra pour Varline. Je te le promets. Oh non! Mais ça, tu l'avais pas vu! Nizo, il faut continuer! Non mais t'as vu? Dans quoi tu nous as foutu, Tyrone? Suis-moi! Tyrone, attends! Nizo, dépêche-toi! Sinon tu vas partir! Tyrone, j'ai plus le contrôle! Non! Je pars à la dérive! C'est pas possible! Tyrone! Excuse-moi, Nizo! Je savais pas que... Nizo, t'as vu ça? Non! D'accord. Aujourd'hui, nous allons faire des tomates farcies. Alors déjà, tu vas couper le chapeau. Ensuite, excuse-moi, Nizo. Cuillère, tu creuses pour enlever la chair de la tomate. Ensuite, tu prends ta farce. Salut. Ah, tiens. Ah non, des tomates farcies. T'as vu ça? On dirait qu'il... Tu m'aimes bien. Ouais, je sais. C'est ce que j'allais dire. Bah, désolé. Ouais, bon. Moi, j'ai du travail. Attendez, vous allez au jardin? Comment tu le sais? Tu m'espionnes? Non. Ouais. C'est juste que c'est une belle journée pour aller travailler au jardin. C'est tout. Ouais, bien sûr. Attendez. Quoi? Qu'est-ce que...
qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux venir avec vous? Ouais, comme tu veux. Merci. Eh, dites-moi, j'ai une question à vous poser. Je suppose que je suis pas le seul à qui ça arrive. Enfin, Niso aussi, mais est-ce que vous savez quelque chose sur cette île? Enfin, si vous pouvez me dire quoi que ce soit, parce qu'il se passe vraiment des trucs bizarres ici. Je suppose que ça vous est déjà arrivé aussi. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que vous venez de dire là? Maintenant que tu connais la vérité, ne prends plus jamais le risque de perdre cette boussole. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Alors tant mieux, mon petit gars. Mais qui êtes-vous? T'as le cerf-volant ou quoi? Je m'appelle Adélaïde. Ouais, est-ce que vous vous souvenez au moins de ce que vous venez de me dire? T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit que si t'étais venu pour m'emmerder, je pouvais te barrer. T'as compris? Ouais, ok, bon bah je m'en vais. Ouais, vas-y, ouais, c'est ça, casse-toi. Au fait, bonjour, hein. Hey, coucou, ça va? Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Tu dis pas bonjour? En plus, il est mal poli. Ça va, Tyrone? Excuse-moi si je te réveille, Nido. Ouais, c'est pas grave. Niso, je te crois pour Varline, je l'ai vu moi aussi. Ah bon? Quand ça? Je l'ai vu dans environ 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Laisse tomber, Niso, je te crois. Si t'as quelque chose à me dire, hésite pas, tu sais bien que je peux m'attendre à tout ici. Ça serait trop compliqué. Compliqué? Il y a pas si longtemps, on avait inversé les rôles, Tyrone. Ouais. Alors explique-moi n'importe quoi, je serais capable de comprendre. Bah c'est simple. Je crois que la boussole, c'est un lien entre nos deux lignes temporelles. Des lignes temporelles? En fait, si tu préfères, c'est la troisième fois que je vis cette journée. Quoi? Je me suis levé ce matin et j'ai accompagné Adéla Truc au jardin. Et là, j'ai cru avoir vu des bateaux au bord de l'eau. Quoi? Donc je suis venu te réveiller et on est parti en bateau. Attends, tous les deux. Tu délires. Et là, il y a eu une tempête avec ce symbole dans le ciel. Le même symbole qu'on a vu sur le parchemin qu'elle nous a montré. Et là, je me fais foudroyer. Et je me réveille ce matin. Le même matin. La même journée en boucle. Attends, t'es en train de me dire... Et c'est pas pour rien tout ça, Niso. Ça m'a permis de comprendre. Cette boussole que t'as trouvée dans la jungle, elle appartenait à Varlaine? Ouais. Où est-ce qu'il l'a trouvée? On l'a trouvée sur la plage, à côté de la carcasse du bateau. Et ben voilà! S'il l'a trouvée, c'est parce que je suis censé la perdre. Aujourd'hui, pendant la tempête. Si jamais on décide de partir maintenant en bateau, il va se passer la même chose. Et je vais perdre la boussole. Et Varlaine la récupérera au bord de la plage, avec toi. C'est pas possible. C'est un piège infini. Une boucle temporelle. Cette boussole est un lien entre nos deux mondes. Donc tu n'es pas Niso. Quoi? Niso est avec ton Varlaine. C'est moi, Niso. C'est autant lui que toi. Je comprends mieux maintenant. Il y a eu un échange. C'est exactement ça. J'ai pris sa place et il a pris la mienne. Ça veut dire que Varlaine est avec lui. Hé, hey, vous deux! Venez vite! Quelqu'un vient d'arriver! Dépêchez-vous, vite! Dépêchez-vous! Regardez, il est là! Oh mon dieu! C'est qui lui? Poussez-vous! Qu'est-ce que tu comptes faire? Hé! Attends! Varlaine! Est-ce que ça va? Il a l'air de le connaître! Varlaine! Hé! Tu m'entends? Réponds-moi! Hé! Attention! Oh vous! La ferme, bordel! Hé! Calme-toi! Non, ça suffit! Je veux pas le savoir! C'est bon, hein! Varlaine! Je savais pas que vous le connaissiez! Varlaine! Tu m'entends? Il risque pas de répondre, hein! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Bah, il a débarqué de nulle part! Niso? Quoi? Je crois que c'est à cause de moi s'il a débarqué ici. Ah bah voilà! Comment ça? Tout ce qui vient de m'arriver, ça a dû créer un lien et il a été transporté mais ici. Mais pourquoi il serait dans cet état? Regarde-le, on dirait un vrai légume! Bah, j'en sais rien. C'est moi! J'y ai donné un coup sur la tête, c'est tout! Quoi? C'est bon, non, hein! C'est pas il va s'en remettre, hein! Écoutez, laissez-nous! Hey, foutez-nous la paix! Un peu, Niso. Allez-vous-en! On est même plus chez soi ici! Varlaine! Hey. Comment il va? J'en sais rien, Tyrone, je suis incapable de te le dire. J'espère. Oh, regarde! Hé, hey, Varlaine, tu m'entends? Tu m'entends? Hé, hey, c'est moi, c'est Niso. Niso? Ça va mieux? Oh, putain. Hé, hey, il essaie de dire quelque chose. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Il est mort. Quoi, répète voir. T'es pas Niso. Niso, il est mort. Il est en train de dire que t'es mort. Comment ça? De quoi? Niso est mort. Calme-toi, Tyrone. Oh, calme-toi, qu'est-ce qu'il prend? T'as pas compris? C'est mon Niso qui est mort. Oh non, merde. C'est pas moi qui l'ai tué. Toi, la ferme. Laisse-le parler. C'est vraiment toi, Niso? Eh oui, c'est vraiment moi. Bah merde alors. Et l'autre Niso, c'était qui?
C'était moi, Varline, mais une autre version. Je comprends pas trop ce que tu veux dire, mais une autre version de toi, ça c'est sûr. C'était un vrai fou, ce mec-là. Je te permets pas de parler de lui comme ça. Désolé, mec. De toute façon, il est mort. Mais tu l'as trouvé où, lui? C'est un rescapé du bateau, lui aussi. C'est lui, Tyrone? Comment ça se fait qu'on l'ait jamais vu? Comment t'expliquer? Tu te souviens de cette boussole que t'as trouvée? Ouais. Eh ben, il se trouve que c'est un lien entre deux lignes temporelles, hein, avec d'autres versions de nous-mêmes. Quoi? Et on se trouve en ce moment dans ce monde qui n'est pas le nôtre. Dans le monde de Tyrone et de ce Nizo qui est mort. Oh merde, Nizo, mais c'est carrément dingue. Hé, raconte-moi, comment est-ce qu'il est mort? Tyrone, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Nizo m'a beaucoup parlé de toi, et avant de mourir... Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, pour commencer... Nizo n'a plus été le même depuis cette soirée où il s'est pris la foudre sur la tête. Je me souviendrai toujours de ce cri. Et lorsque je l'ai vu emporté vers le ciel, comme s'il était traîné par quelque chose. J'ai crié, j'ai hurlé, mais il avait déjà disparu. Alors j'ai cherché aux alentours, et j'ai fini par le retrouver. Il était blessé à la tête. Il a d'abord commencé par ne plus me reconnaître. Pour ensuite me dire des absurdités. Que j'étais revenu de parmi les morts. Et que lui-même m'avait enterré. Et c'est là qu'il a commencé à me parler de toi. Et que tu étais présent à ce moment-là, Tyrone. Au début, je pensais que Nizo perdait la boule. Je me suis pas posé de questions. Et c'est que plus tard que j'ai commencé à comprendre. Nizo était différent. On a fait un petit bout de chemin ensemble et... On a fini par tomber sur un de ces hommes tout en noir. Il tenait à la main une de ces fameuses pommes en or. On l'a suivi et je crois qu'on a trouvé leur repère. Seulement, il y a eu des complications et... On s'est enfui. Ils ont fini par nous retrouver. Un soir, nous avons été attaqués et Nizo s'en est pas sorti. Il est mort. Depuis ce soir-là et jusqu'à aujourd'hui, j'ai été seul. J'ai pourtant essayé de retrouver cette femme, Adélaïde. Mais sans résultat, impossible. Comme si cette île était un labyrinthe maudit. Et ce matin, j'ai aperçu une lueur dans le ciel. Et la terre s'est mise à trembler, avec ce bruit résonnant dans ma tête. Et ça me faisait mal, ça s'accentuait de plus en plus. J'ai fini par atterrir ici. J'ai couru, en appelant au secours sans vraiment savoir où j'allais arriver. Et c'est là que je suis tombé sur elle. Apparemment, elle n'a pas été contente de me voir. En même temps, j'aurais dû m'y attendre. Enfin, bref, vous connaissez la suite. Je suis désolé, Varline. J'aurais aimé être près de toi. Je sais, mais tu peux rien, Nizo. Où est-ce qu'ils sont? Hein, qui ça? De quoi? Ces hommes, tout en noir. Où est-ce qu'ils sont? Je pense que je pourrais vous y amener. Ok, il est temps d'en finir et de rentrer chez nous. Une torche, ça peut vous servir. Un bâton aussi, si on veut se battre. Un gros bon steak, si on a faim. Et un CD de Bob Lennon, parce que c'est trop bien. On peut emmener le lit aussi. Ça ira. Eh, hey, tu penseras à me rendre ma boussole? Elle est à moi maintenant. Tu vas me la passer, cette boussole, oui? Ouais, ok, vas-y, prends-la si tu veux. On ferait mieux d'attendre cette nuit pour y aller. Ouais. Ouais, vaut mieux. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ça y est, il est l'heure. Il faut rester prudent. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Moi aussi. Alors allons-y. On va plus être très loin là. On y est. Oh, impressionnant. Chut, restons discrets. Non. Ben quoi? Vous voyez bien qu'il y a personne. Ils ont eu trop peur. Bande de trouillards! Pourquoi elle est venue, elle? On sait jamais, ils sont peut-être pas loin. Allons-y. Oh, regardez, le jour se lève déjà. J'espère qu'on aura pas de Il va falloir faire vite. C'est hallucinant comme construction. Mais c'est bizarre, je me rappelle plus que c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on rentre là-dedans? Il doit bien y avoir une entrée. Je sais pas du tout. Ils sont pas comme nous. Eh bien moi, ils ne me font pas peur. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je sais pas. J'ai touché à cette... Mais tout le monde va bien? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Qui a la torche? C'est moi. Wow. Mais c'est quoi cet endroit? C'est l'enfer, je vous dis. J'aime pas ça du tout. Soyons prudents. Waouh! Il y avait sûrement quelque chose ici. Ouais, c'est bien possible. Hé! Regardez ça, il y a un trou là! Waouh!
c'est complètement en ruine. Ah, c'est quoi ce truc? Eh hey, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait du tout. La boussole. Merde, Barline, elle a... Barline, ça va? Barline, Barline. Ouais, ça va. Venez voir. C'est incroyable. C'est possible! Ils étaient là depuis tout ce temps. Eh, hey, mais c'est des pommes! Oui, mais... pas n'importe quelle pomme. Niso, je pense que c'est la clé pour en finir avec tout ça. Pour rentrer chez nous. De quoi? Les pommes? Je vais aller les chercher. Non, Varley! Ça va pas, c'est sûrement dangereux. T'es fou! T'inquiète, c'est seulement à quelques pas d'ici et... je serai revenu en un rien de temps. Ok. Fais bien attention. T'en fais pas pour moi. Gaffe, Je reviens tout de suite. C'est parti. Varline, fais attention. Niso, je crois qu'il t'entend pas. Oh la merde. Ouais, allez reviens vite maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a vu quelque chose. Mais bon sang, Varline, va bien. Eh, regarde-moi! Oh non! Niso! Non, tu vas y arriver! Tu vas tenir le coup, Harley! Non, me laisse pas! J'ai récupéré les pommes! Tu les as! Il faut que tu les détruises! Non! Niso! Adieu, mon... Allez vous faire foutre! Niso! Très bien! Niso. Petit être ignorant! Niso! Ah, non! Laissez-les! Ils ont rien à voir avec tout ça! Non, s'il vous plaît! Non, non, arrêtez! Non! Vous êtes plutôt une utilité! Oh mon Dieu! Il faut que je sorte de là! Il faut que je sorte! Assez vite! Je me prête mon dernier vœu. Je commence à perdre patience. Ça va pas? Eh oh! J'ai pas l'habitude de prendre la mer. Le mal de mer, hein. T'inquiète pas, tu vas t'y faire. Ça fait toujours ça au début. Oh, je crois que je vais aller faire un séjour aux toilettes. Eh, hey, tu me diras comment c'est les chiottes d'un bateau, hein? C'est ça, enfoiré. Oh la merde! Salut! Est-ce qu'il y aurait de la place ici? Oui, un petit peu. Est-ce que je peux me. Eh! Hey pas possible! Ouais, comme ta joie, toi! Là, elle est pas commode celle-là. Est-ce que je peux me joindre à vous? Il y a de la place nulle part ailleurs. Bah ouais, pas de soucis, allez-y. Ouais, super, merci! Ah, oh, je penserais que tu trouverais jamais.
Oh, le mec qui vient de sortir, il avait l'air pas bien. Ah ouais, c'est Varline, il a pas l'habitude des voyages en bateau. Ah, d'accord. C'est sa première fois. Moi aussi, mais apparemment, ça me dérange moins l'estomac. Ouais, c'est une question d'habitude. Oh là là, Niso, ça va mieux, t'imagines même pas ce que je leur ai dit. Oh. Moi, c'est Tyron. Ouais, il va faire le voyage avec nous, il y a plus de place ailleurs. Ok, pas de problème. Hey, enchanté, moi c'est Varlai. Ok, et toi? Nisoka, mais appelle-moi Niso. Dak, c'est un plaisir de vous rencontrer les gars. Hey, j'ai croisé le capitaine et il m'a dit que la mer était très calme et que le voyage se passera sans problème. Génial. Ça me rassure. Ouais, y a pas de raison. Allez, essayons de dormir un peu.